Yo les gens, c'est IronFan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur les Funko Pop. Parce que ouais, c'est des figurines que j'aime pas mal, c'est pas cher, c'est petit, tu peux faire des choix diorama. En tout cas bref, si vous voulez une vidéo où je vous dis pourquoi j'aime les Funko Pop et pourquoi je vous recommande d'en prendre, dites-le moi en commentaire, puis je vais peut-être faire 5 raisons pour lesquelles j'aime les Funko Pop. Donc sur ce les gens, commençons. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter des Funko Pop que j'ai acheté aux États-Unis, plus un objet, disons, assez what the fuck de chez Funko. Mais bon, vu que je suis un collectionneur, je l'ai pris. Puis quand même, j'étais curieux de voir à quoi ça ressemblait. Parce que, ouais, bon, c'est pas tout. Il y a même pas, juste vous dire, il n'y a même pas ce truc au Canada, ni en France. Ben, en fait, j'en ai que vu aux États-Unis. Puis au Mexique, je crois. Ouais, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ouais, c'est un truc qu'aux États-Unis, donc forcément je l'ai pris. Sur ce, je vais vous présenter. Sur ce, commençons. Bon, alors je vais faire ça à l'aveugle. Fait que là, j'ai pioché une pape au hasard. Ok. Ils sont tous sur mon lit. Ah, connaissant la texture, je suis sûr que c'est Rick Grimes de Walking Dead. Ouais, c'est Rick. Rick Grimes, tout simplement. J'ai pris cette pop et pas une autre de Rick Grimes parce que, comment dire. J'aime bien les autres, mais voilà, la première, je l'ai trouvée. Je trouve que c'était un peu trop première Funko Pop, genre pas assez de détails. Mais Funko, n'empêche, faisait des bons trucs à l'époque. Mais franchement, compare elle puis la première, admet quand même que c'est elle que tu préfères. Puis là, je vais vous la sortir la boîte. Non, et juste avant, je vais vous montrer quelque chose. C'est qu'il faut savoir que là, il n'y a pas le R. Tout simplement parce que c'est une vieille pop qui, ben pas vieille entre guillemets, qui date de 2015. Puis c'est du coup, ouais, Funko n'avait pas nécessairement ça en 2015. Puis là, maintenant, il y a le R. Puis dans la collection, on peut retrouver ceux-là. On a Mission, Rick, comment il s'appelle déjà lui? Morgan, puis comment il s'appelle lui aussi? Abraham. Ouais, des fois j'oublie les personnages parce que tu les vois depuis tellement longtemps que genre tu les oublies. Mais il y en a un seul que je suis sûr que je n'oublierai jamais. C'est. Allez, vous savez c'est qui? J'en ai parlé sur ma chaîne. Forcément, vous le savez. Bon, alors la pop, waouh, elle est assez belle. C'est en 2015, comme je vous ai dit, donc c'est pas le top du top de Funko, mais quand même, elle est vraiment bien faite. T'as la barbe de Rick, t'as ses yeux qui sont bien faits, ouais, les cheveux sont quand même détaillés. Puis au début, je croyais que c'était une contrefaçon parce qu'il n'y avait pas le R. Puis genre, je suis comme, il y a quelque chose de pas logique là-dedans. Mais en fait, non, parce que les contrefaçons, si vous voulez, ils ont pas les. Bon, là, vous voyez rien, mais. Ils n'ont pas les dates, genre. Fait que, ouais, j'ai acheté Rick Grimes. Puis franchement, c'est une assez belle pop avec la bague en plus de Laurie, sûrement. Puis ouais, du coup, je l'aime bien. Ouais. Sur ce, prochaine pop. Alors, je pige. Ok. Ok, regardez. Je suis pas sûr. Je dirais que ça serait Capitaine Américain. Non, cette texture me rappelle plus. Iron Man. Eh oui, c'est Iron Man. C'est une pop Avengers Endgame. Attendez, je vais vous montrer la collection avant tout. C'est pas les plus belles Avengers qu'on a eues. On est tous d'accord là-dessus. Mais quand même, sont pas si dégueux que ça. Puis, vu que c'est désormais permis de spoiler Endgame, je dois vous dire, Thor, on le voit jamais comme ça dans le film. Même quand il va tuer Thanos, il n'y a pas l'habit quantique. Quoi, ça va. Captain America, ça va. Tony Stark, c'est le seul qu'ils ont bien représenté. Thanos, il n'y avait pas le gant de l'infini au complet. Natasha, ouais. Oui. Tous, oui. Le seul que je vous ai dit, c'est Thor, en fait. Ils n'ont pas fait le gros Thor. Pourtant, c'était pas un si gros spoil le fait que Thor était gros. Parce que voilà.
On le sait tous que Torre Gro. Bon, c'est, je veux dire, c'est pas un spoil. Un mec gros, on a quand même vu pire. Sans t'avoir spoilé, je sais pas, la mort d'un personnage, mais le fait que Thor soit gros, ça change rien au film. Bon, alors là, t'as. Wow. En vrai, sur les photos, c'est pas la plus belle pop au monde. Mais là, ouais, j'avoue, elle est super. Regardez cette pop. Les cheveux sont bien faits. C'est ma première Tony Stark pour info. J'avais l'armure Infinity War, j'ai le Mark 1, j'ai quoi d'autre? Je crois que c'est la seule que j'ai. Mais ouais, franchement, je l'aime bien. J'avais pas de Tony Stark. Puis là, en plus, je vais essayer de faire le full set Iron Man, même si je sais que je les aurai pas tout au complet. C'est vraiment galère. Mais bon, quitte entre rien n'a rien. Donc, j'ai essayé. Okay, la pige. Ouais, faudra d'abord que j'en touche une. Ok, là, j'en ai un. Est-ce que ça. Regardez. Je crois que c'est une pop The Walking Dead. Ah non, c'est Captain Marvel. Ah ouais, en même temps. Ouais, Captain Marvel, je l'ai pris parce que j'adore l'actrice. Ah, en plus, regardez la boîte. Elle a un petit truc. D'ailleurs, non pas Rick, mais Tony Stark qui avait un anneau quand même. Ah non, fin de compte, on n'en a pas mis pour Iron Man. Oh, et d'ailleurs, je l'ai acheté chez Hot Topic, l'Iron Man. Puis Rick, je l'ai acheté dans un très très gros magasin que j'ai pas pu. Pas pu présenter dans le vlog, mais bon, en tout cas, regardez cette pop, elle est très très belle. Mais je ne vais pas la sortir parce que tu as un élastique et c'est assez galère. De plus, que voilà, les pop, je les sors que pour vous les présenter. Ça m'arrive des fois de les sortir, mais c'est très rare. Puis de plus, que ouais, elle a un petit soc, tout, mais ouais, je vais pas la sortir. Fait quoi? Vous avez Captain Marvel que j'ai acheté dans un magasin au Canada cette fois-ci. Je l'ai acheté dans. Je suis plus sûr du nom du magasin, mais je vous le dirai dans d'autres vidéos. Mais ouais, ils font des assez. Ils vendent plein de belles pop. J'ai acheté que. En fait, je crois que c'est. J'en ai acheté d'autres là-bas, mais je suis plus sûr laquelle. Mais bon, en tout cas, là, j'ai eu Captain Marvel. Je suis assez content. J'ai adoré Brie Larson en tant que Captain Marvel. L'actrice est top. Puis, ouais, dans Endgame, elle n'a pas le plus grand rôle, mais ça va quoi. Donc, sur ce, prochain personnage. Ok, celle-là. Attends, il y en a certaines que je peux reconnaître. Ok, non, c'est pas elle que je pense. Je suis sûr, c'est une. Est-ce que ça serait pas par hasard War Machine? Wow. Je les ai toutes devenues sauf Captain Marvel. Ouais, je me débrouille. Lui, pareil, je l'ai acheté chez Hot Topic parce que c'était des rabais de malade. T'avais genre 3 pop, incluant un exclusif, pour 24$. C'est-à-dire que j'en avais 3 pour le prix de genre. Attendez. J'en avais 3 pour le prix de. Attends. 3 pour le prix de 2. Ça me fait halluciner. Ouah. Ça, c'est War Machine, ouais. J'adore cette armure. Non, mais sans blague, elle est trop bien. Waouh. Franchement, j'ai été déçu qu'il ait fait juste une Iron Man exclue. Bon, là, j'ai appris qu'ils vont en faire 2 autres. Mais bon, je vais pas dire c'est lesquels parce que voilà, j'ai pas vous spoil pour juste un unboxing. Je vous ai spoilé pour une vraie vidéo. Mais là, bon, je vous ai dit que Thor avait une bedaine, mais ça fait rien, quoi. Mais là, en revanche, ouais, il est très bien fait, ce War Machine. C'est la 6e War Machine, et franchement, waouh, Franco, vous avez géré pour ce coup. Puis ouais, j'adore. C'est une bobblehead en plus. Mais je dois avouer que je suis plus fan quand c'est pas des bobbleheads. Parce que voilà, des fois, tu peux avoir des petits accidents avec ta pop, donc ouais. Je préfère quand c'est pas bobblehead. Mais bon, après Marvel puis Star Wars, je les prends. Bon, Star Wars un peu moins, mais Marvel, on entend, c'est pas pareil. Sur ce prochain pop, les amis. Est-ce que. Non, ça c'est. Ok, là j'ai une pop. Ah, là je me pose vraiment la question.
Ça, je crois que c'est. Je crois que c'est Richard de Walking Dead. Ah non, c'est Harry Potter. Merde, je suis bête. C'est tout simplement Harry Potter que lui, j'ai acheté chez Warner Brothers. Ouais, Warner Bros. Puis, comme vous avez vu dans le vlog, je présente quelques pop que j'ai achetés. Puis, bon, putain, elle est fragile quand même. Parce qu'il y a les lunettes, donc du coup, ouais. Elle est assez belle, cette pop. Elle bouge la tête. Puis, j'adore. Je voulais une pop, au moins là-bas, t'avais pareil un rabais, mais là c'était 2 pour 24. Fait que t'économisais au moins 6$, mais bon. Moi, j'en ai pris qu'une parce que voilà, sinon, c'était pas des pop nécessairement que je cherche. Pour l'instant, je recherche extrêmement les Marvel, puis les Walking Dead, puis. Bon, peut-être un peu de South Park et Chucky, mais à part ça, je recherche pas grand pop. Puis Harry Potter, je le voulais vraiment depuis longtemps parce que, bah, en fait, je le voulais depuis que je me suis refait le premier film. Parce que faut savoir que j'adore Harry Potter, c'est des très bons films. Puis ouais, je voulais en moi une pop Harry Potter parce que voilà. On est tous obligés d'avoir une pop Harry Potter si tu collectionnes les pop, fait que forcément, j'en ai pris une. Puis il est pas mal, t'as la cicatrice, tout. Le seul défaut, c'est le net, comme je vous ai dit. Parce que, ouais, moi je peux pas faire le sort. Et le paro repato. Bah, Hermione fait le sort dans le film, mais j'ai oublié comment on l'appelle. Sur ce genre, prochaine pop. Alors, il reste deux pop. Les deux, c'est des exclus. Bah, en fait, non, il y en a une qui s'exclut. En fait, j'ai que pris une exclue. Bon, là, je suis sûr, c'est Richard Brocky. Bon, ouais, là, j'avais raison. Parce que forcément, l'autre, c'est une exclue. Donc, je la reconnais facile avec son petit logo. Bon, je vais la mettre là. C'est Richard de Walking Dead. Walking Dead, faut savoir que c'est ma série préférée. Du coup, je voulais vraiment des pop de cette série. Puis, en plus, je l'ai eu dans un magasin où j'ai acheté un Lego. Puis genre il y avait des pop pour 5$, il y avait aussi Negan avec sa quand il y avait la batte levée puis du sang sur son chandail, mais bon moi je voulais pas gaspiller parce que j'avais plus d'argent, mais ouais c'est une très très belle pop. Il y a le pistolet, le visage et voilà, puis ok. Avancer d'au moins 10 secondes dans la vidéo parce que j'ai spoilé The Walking Dead. Bon, c'est la première victime de Morgan. Ouais, je l'ai dit en même pas une seconde. Ok, ouais, effectivement 10 secondes. Puis ouais, comme je vous ai dit, c'est. Puis pour. Je suis pas un personnage que je. En fait, je suis revenu de mon voyage, si tu veux. Je me suis fait un épisode de Walking Dead, puis j'ai vu ce qui lui est arrivé. Bon, j'ai dit, bon, j'ai acheté la pop du personnage, mais il est même pas mort après. Mais bon, c'est quand même un personnage assez important pour. Puis donc, du coup, ouais, je la trouve très belle cette pop. Après, c'est pas clairement pas mon personnage préféré. Mais bon, je me suis dit, une autre pop Walking Dead pour 5$, pareil. Sur ce genre, dernière pop. Bon, alors là, je vais pas me cacher les yeux parce que ça sert à rien, c'est la dernière. C'est tout simplement Captain America. J'ai pris cette pop en fait parce que vu que j'étais chez Utopie, je me suis dit autant prendre une exclue. Parce que voilà, je voulais me ramener un souvenir. Puis vu que, bon, les pop Utopie sont commercialisées au Canada, mais il n'y a pas de. Il y avait un Utopie avant, mais là, ils l'ont plus. Donc, du coup, je me suis dit, il me faut absolument une exclue. Puis je me suis pris Captain America parce que je me suis dit c'est sûrement peut-être son dernier film. Donc c'est peut-être la dernière pop. Bon, je crois qu'ils vont en faire d'autres, mais. Voilà. En fait, pour Iron Man, c'est sûr qu'ils vont en faire d'autres. Parce que, ouais, j'ai vu quelques Funko News. Puis là, du coup, on va déballer. Bon, attends. La boîte est un peu abîmée, je vais pas vous cacher parce que la douane. Il manque
J'ai comme dû cacher mes pop, genre, puis c'était vraiment pas efficace. Mais bon, en moi je l'ai eu, donc c'est ça. Ok, là je vais sortir la pop. Ouais. Puis, c'est vraiment la meilleure Captain America qui en fait. Y a pas photo. Regardez, t'as certes pas le bouclier, mais elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Waouh. Acheté chez Hot Topic en plus. Franchement, c'est ma pop Captain America préférée. Si un jour j'ai à faire un top 10 de mes Funko Pop, je vais sûrement mettre elle parce que franchement, c'est l'une des plus belles pop que j'ai vues. Puis donc, du coup, bon, là je vais la placer là. Ouais, franchement, la Captain America, c'était vraiment une super pop. Bon, sur ce, les gens, j'ai pas fini la vidéo, je vous montre un dernier truc. Alors, ce dernier truc, forcément, c'est. Attendez, on va faire durer le suspense. Ok, vous avez vu peut-être le nom. Tada! Bon, ok. Des Funkos. Des Funkos. Bon, ok, j'arrête ma réaction débile. Mais c'est en gros des céréales qui sont commercialisées qu'aux États-Unis, de ce que j'ai eu. Puis en gros, t'as des céréales que je suis sûr ça goûte une merde. Mais bon, après, si vous avez déjà goûté, dites-le moi en commentaire. Mais moi, j'ai perso jamais goûté. Puis j'ai jamais goûté vu que c'est sous blister. Puis je préfère pas essayer parce qu'en fait, c'est Wassim. J'ai peut-être manqué de l'école, ouais, mais non, quand même, non. Puis ça vient avec une mini figurine de Flash. Alors Flash, la série, je vais vous dire vite fait mon avis. J'ai écouté la saison 1, j'ai aimé. Puis la saison 2, ouais, j'ai un peu aimé. Puis le reste, complètement oublié, puis j'ai arrêté la série. Ouais, dès qu'en fait, il y a eu sa fille est venue, je me suis dit, ça va faire comme les comics, ça va partir en couille. Non, j'arrête. Puis après, je me suis mis à Stranger Things. Puis ouais, franchement, Flash, ça part en cacahuète. Mais après, j'adore l'acteur. J'adore l'acteur qui joue Flash, mais non, c'est trop parti en cacahuète. Fait qu'oublie ça, moi. J'ai quitté. De plus, je suis pas un grand fan des séries de super-héros. Je préfère comme série du Walking Dead, Breaking Bad, Game of Thrones, tout ça. Mais super-héros, non. La seule que j'ai vraiment aimée, c'est Flash. Mais pareil, là j'aime plus, donc ouais, c'est ça. Puis donc, t'as aussi un petit chemin, mais bon. Donc, sur ce, les gens, j'ai pas mal présenté tout ce que j'avais à vous montrer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à liker, partager et à commenter. Et sur ce, on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao!